Salut tout le monde, c'est Keito et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre aventure sur Tale of Zestiria. Et j'espère que vous allez tous et toutes bien, car moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve... Je sais pas pourquoi on se retrouve là-bas, mais en tout cas on se retrouve au niveau de la sauvegarde. Et on se retrouve pour aller affronter le seigneur des calamités. Il y a un truc là-bas. C'est le seigneur des calamités. Ok. Bon, on va aller voir le seigneur des calamités. C'est Bagdad ici, hein. Ici, c'était la guerre. Et on va dire que la guerre est finie, puisque tout le monde s'entretue. Seigneur des calamités. Un autre berger. Amaretisation. On va se battre. Dieu. Pourquoi il y a des rochers à la place des chaussures? Je veux qu'on m'explique. Nigelo. Nigelo, ça veut dire fuis. Oui. Ah, on passe en cinématique manga, je trouve. Eldalf.
très bien. Oh non. Par contre, t'as pas d'aile, cocotte, donc. Ah, on a vu. Ces cheveux rouges là. C'était la. Je suis sûr que c'est la vendeuse là qu'on a vu deux ou trois fois. C'est obligé. C'est obligé. Par contre, je suis un peu triste du décalage. Enfin, image, son et traduction. Je suis un peu triste. Parce que je pense pas que ça vienne de mon PC. Parce que je pense à la traduction. Voilà. Ah, quoique, peut-être que si en fait. Moi, je sais pas. Mais je suis triste quand même. Il y a eu un gros décalage et c'est dommage. Mais bon, tout va bien. Pas de soucis. Pas de soucis. Bien, 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 bien. Donc, on a Aldalf qui est le seigneur des calamités. Et je risque de sûrement l'appeler Gandalf, hein, parce que ça me fait penser à Gandalf. Aldalf, Gandalf. Par contre, j'aimerais bien savoir où ils sont partis, nos potes. Hein. C'est la vendeuse, ça. Non, mais il n'y a plus personne, mec. Je sais pas pourquoi il n'y a plus personne, mais il n'y a plus personne. Thomas, la tête de lion. C'est le seigneur des calamités, mec. C'est un petit peu ton némésis. Ils se sauvent chacun leur tour. Normal. Alors par contre, ton bras qui traverse sa poitrine, c'est pas crédible. Hein. C'est pas crédible du tout. Bien, donc, on reprend le contrôle de Soreil. On a un point de sauvegarde. On a quoi derrière? Derrière, on a ça. Ne traînez pas ici. Ok. Bon, on va pas traîner, on va faire une sauvegarde. Et par contre, ouais, on est tout seul. On est tout seul et ça me plaît pas des masses. Parce que clairement, on sait pas ce qui va nous tomber dessus. Ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout.
cas, il est lent, hein. Soreille, tu vas faire de l'exercice, hein. Tu vas prendre du muscle et tout, parce que là, oui, hein. Je pense qu'il n'y a pas de monstre sur cette partie-là. Parce que clairement, on peut pas se protéger, on peut rien faire, on peut pas esquiver les monstres. Donc je pense pas qu'il y ait de monstre. Par contre, on va en profiter qu'il n'y ait pas de monstre pour visiter un petit peu tout. Enfin, visiter un petit peu tout, je m'entends parler, hein. Parce qu'on va pas assez vite pour... pour... Mince. On va pas assez vite pour tout visiter, mais... Alors, c'est un monolithe. Achever un ennemi avec un arc mystique vous rapporte au moins 2 fois plus de points que d'habitude et fait décoller le taux de butin. Gata. Ah oui, je sais plus d'ailleurs comment on les fait les. Faudrait que je regarde l'épisode dernier. Pour savoir comment on fait les. Les attaques un peu ultimes. Enfin, pas ultimes, mais. Ok, bon, clairement, ça sera pour une quête. Clairement, ça, ce sera pour une quête. Mais plus tard. Alors, par contre, au niveau de la carte. Ah! On a le bassin de Galvade. Forêt de Volgran. Je sais pas trop où on est, mais clairement, ça pue. Il y avait un truc là-bas. Je l'ai vu. Ouais, c'est encore une autre fleur. Oh, une route. Allez. Allez, mon petit soleil. Ah, enfin, elle se réveille. Mais je crois que c'était la vendeuse, hein. Mais je suis pas sûr. Tu peux me poser? Ah non. Ah, parce qu'elle lui a sauvé la vie. Déjà, j'aime beaucoup l'entrée qu'a fait Andalf. Ouais, je pense à plein de trucs. J'espère que ce sera Tarzan. Meuf, tu peux pas marcher? Ouais, c'est ça, profiteuse. Ah, je suis déçu. La rose, elle perd des points. Rose, elle perd des points. Des enfants? C'était des enfants? Je pense que c'était des enfants.
Allez. On va sauver. On va empêcher qu'elle fasse une connerie. Parce que là, clairement, hein. Faut arrêter les conneries, hein, maintenant. On peut toujours pas. Non, on peut toujours rien faire. Non mais ils sont pas bien. Mais c'est des mômes. Ouais. Fais gaffe, hein, Rose. Ça va pas me plaire, ça. J'avoue que ça doit pas être enfin folichon. Bon, enfin ils endurcir comme ça, les pauvres mômes, ils ont quoi, peut-être 10-12 ans Non, je suis désolé. Mais oui, Soreille, arrête un peu. Donc pour certains, le berger pourrait être le mal et non pas le sauveur. Ou alors... Ou alors... Ouais, je vous explique une fois que c'est fini. Bien. Donc je vais vous expliquer tout simplement, elle dit si tu pousses les gens vers le mauvais chemin, je te tuerai. Sauf que le berger est quelqu'un de bien normalement, mais je pense en fait que ok, je peux rien faire. Je pense en fait que tout simplement le berger est quelqu'un de pur. Mais il peut être corrompu par les ténèbres, et vu qu'il est quelqu'un que les gens vont suivre, forcément, s'il est corrompu, il deviendra, il poussera les gens à aller vers le mal.
Et je pense que c'est ce petit truc qui va jouer. C'est-à-dire que Sorel, pour le moment, est pur. C'est-à-dire qu'il a un cœur pur, il est gentil et tout. Mais je pense qu'à un moment, il va se mettre à hésiter entre le bien et le mal. Son cœur va commencer à se corrompre. Et peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va même être corrompu par les ténèbres. Et genre, on va réussir à s'en sortir ou un truc comme ça, et on va tuer le boss. Mais je sens que ça va prendre cette tournure-là. C'est-à-dire qu'on va passer tout notre temps à sauver les autres, à être traité comme un monstre, à être renié, tout simplement. À dire, ouais, t'es qu'un monstre, t'es méchant et tout. Et un moment où Sorel va devenir méchant. Et là, tout le monde va prendre peur, tout le monde va croire en lui. Ouais, sauve-nous, Sorel, t'es le meilleur et tout. Et puis, il va redevenir bon et il va sauver le monde. Voilà, je pense clairement que ça va prendre cette tournure-là. Je vais pas vous mentir, mais mon instinct de gamer me dit que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Parce que je vous rappelle que c'est une découverte, malgré le temps que ça met, c'est toujours une découverte. Hein. J'ai pas fait le jeu de mon côté, bien que j'en ai très très envie. Mais je veux pas le faire parce que je commence avec vous, donc je finis avec vous. Mais j'avoue que j'en ai très très envie. J'ai cru que c'était Mikleo de loin. Comment elle a pu le dire? Elle l'a pas vu. Oh, c'est un livre céleste, registre céleste. Et ils sont pas pareils. Bonheur. Ah, une énigme. Une énigme, pas mal, pas mal. Moi j'ai envie qu'on se la fasse cette énigme. Est-ce que ce serait des trucs secondaires? Est-ce que ce serait pas des trucs secondaires qui pourraient être plutôt appréciables? Mmh.
c'est joli. Bien, 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 bien. On va s'arrêter au prochain point de sauvegarde, les amis. On fera les... On fera la... L'énigme des ruines une prochaine fois. Ah, regarde pas mon fessier, coquine! Bien. Bon, je pense qu'il va y avoir un point de sauvegarde dans le coin. Donc là, on a magasin d'armes. On ira au prochain épisode. Ici, on a un truc. Ah bah ici, on a la sauvegarde. Ah, c'est très très bien ça. Donc, bah, on va s'arrêter... Enfin, s'arrêter ici tout simplement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce vert, un petit commentaire, à vous abonner, à partager et puis à commenter. Et puis voilà, vous connaissez, bye hein. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine, tout le monde. Bye bye.